abonnés, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le top 5 des actualités de la semaine. En top 5, le festival de musique urbaine d'Anoumombo est devenu le plus grand événement musical et culturel de l'Afrique de l'Ouest. Pour la 12e édition, les magiciens promettent une touche sociale avec la participation de l'Union européenne. Faut dire que plus les années avancent, plus les choses deviennent sérieuses. Top 4. En félicitant Serge Benoît pour son dernier clip Débrouillé, Arafat DJ accuse Ariel Chené d'avoir plagié la chanson de Timaya. Il termine en annonçant la sortie très prochaine de son nouveau titre Moto, pour d'après lui déstabiliser la concurrence. La guerre est-elle relancée? La Kinda devrait boucler son album le premier d'ailleurs d'ici peu et nous avons écho que cet album sera à couper le souffle parce qu'il aura des collaborations avec les meilleurs artistes du moment tels que Fally Ipupa, Loco, Daphné, le Nigérien Davido et j'en passe. Faut dire qu'on s'attend un peu à du feu car comme elle a l'habitude de le dire avec elle, ce n'est que le feu et le feu. La star nigériane Davido vit une histoire d'amour romantique et si je ne m'abuse, très romantiquement, depuis plusieurs mois avec sa belle Chioma. Il y a quelques jours, alors qu'il offrait un cadeau à sa dulcinée, il lança cette phrase sous un ton ironique, dit-on. L'argent est bon et si j'en avais pas, tu ne rirais pas ainsi avec moi. Comme on le dit, c'est dans amusement que la vérité sort. Je dis ça, je dis rien. M plus 1, 2 plus 2, 4 plus 4, 8 plus 17, 9. T'as trop duré, c'est mort. Du jamais vu dans l'histoire du coupé décalé, Ariel Chené bat le record de nombre de vues sur YouTube devant ses dévanciers en totalisant 2 millions de vues en seulement 9 jours avec son titre Amina, dans lequel était en guest le coach sportif Maria Mobile, togolaise d'origine vivant aux États-Unis. Pour remercier ses fans, il donnera un concert gratuit très bientôt dans son Abobo natal. Félicitations au petit Nouchi d'Abobo.